Tu perds souvent tes clés ? Ton sac ? Que vaut le Smart Tech Plus de Samsung ? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Digital, Tuto et Produits Tech. Aujourd'hui, nous allons parler du Smart Tag Plus de Samsung. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que ce produit est sorti. On peut bénéficier d'une localisation à courte distance par Bluetooth, environ 120 mètres. Et d'ailleurs, ce produit n'est compatible qu'avec les Samsung Galaxy, avec Android 8 ou plus. Du coup, si on n'est pas loin, comme à la maison ou au travail, ça va très très bien. Mais si vous êtes très loin de votre tag, il va falloir utiliser un système que Samsung a développé, un peu comme ce qu'a fait Apple, où les smartphones Samsung Galaxy vont communiquer entre eux et pouvoir vous donner la position exacte de votre tag. Par contre, est-ce que le parc Galaxy en France est assez conséquent pour pouvoir trouver votre smartphone ? Ça, dites-le moi en commentaire si vous voulez qu'on le teste dans une grande ville, ça peut être super intéressant. Revenons-en maintenant au produit. On retrouve notre tag sur un poids de 14 grammes, assez fin, assez petit, on ne le remarque presque pas. Je trouve quand même qu'il est assez passe-partout. Il communique avec le Bluetooth 5.0 avec une portée de 120 mètres environ. La pile est remplaçable, c'est une pile CR2032 et l'autonomie est d'environ 165 jours d'après ce qu'annonce Samsung. Il est facile à accrocher à son trousseau de clés, pas comme le AirTag d'Apple. Il est équipé d'une fonction buzzer dans le cas où vous êtes assez proche de lui et que vous souhaitez le faire sonner avec votre téléphone, c'est très intéressant. Et vous avez une option inverse, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer grâce à un petit bouton sur votre tag pour pouvoir localiser votre téléphone. Et ça, c'est vraiment utile. Pour finir, une fonction de réalité augmentée qui va nous permettre justement de pouvoir se situer dans l'espace et essayer de le trouver grâce à l'appareil photo de votre téléphone. Et on verra ça en fin de vidéo. Maintenant, je vous propose qu'on déballe. On est parti. On est parti pour le déballage et pour le test du Smart Tag Plus de Samsung. Go ! Donc on a un petit tiroir qui se glisse avec notre tag et une petite notice Smart Guide. Donc on va dire un emballage vraiment très très simple. On va ouvrir ça. Le Smart Guide, on va essayer de s'en passer, voir si c'est vraiment simple à associer. Et on se retrouve avec le téléphone. Donc on va devoir lancer l'application Samsung SmartThings. Si c'est la première fois que vous allez sur l'application, il est possible que ça vous demande de continuer d'accepter certaines conditions, comme la position, découvrir comment SmartThings dans une maison virtuelle, créer un univers à votre image avec YouMake. Donc on va aller essayer de voir dans le petit plus et ajouter un appareil ajout à domicile. On peut scanner un QR code, très intéressant. On va essayer d'analyser et de rechercher l'appareil à proximité. Lorsqu'on appuie sur le tag, ça déclenche un petit bruit et on peut voir du coup Samsung Galaxy Smart Tag Plus s'ajouter. On va donc lancer ajout, préparation de l'ensemble des éléments, utilisation des informations de localisation, on accepte, connexion à votre Smart Tag Plus, on doit appuyer sur le bouton au centre de l'appareil. Vous y êtes presque, est en cours d'enregistrement dans votre compte Samsung. Ça a ressonné, c'est plutôt rapide. Donc là, on peut renommer notre tag. Je pense qu'on pourra le renommer plus tard, donc je vais le laisser comme ça pour le moment. On fait terminer. Ensuite, on nous explique. Donc c'est vrai que l'association est plutôt très rapide, même c'est intuitif, même pas besoin de notice. Du coup, utilisation avec SmartThings Find. Affichez la position de votre tag sur une carte et obtenez l'aide d'autres utilisateurs Galaxy si vous le ou la perdez. Faites sonner votre tag pour le retrouver. Laissez votre appareil photo vous guider. Donc ça, c'est l'option qui nous intéresse également. Utilisez SmartFind pour localiser ce tag. Donc là, on va faire démarrer. Ah, on peut même sélectionner d'autres appareils dans SmartThings pour pouvoir les retrouver. On va tous les ajouter. Là, si on zoome bien, on peut voir où se situe notre tag. On va essayer la recherche à proximité. Et si on est vraiment à côté, on pourra utiliser l'appareil photo en réalité augmentée. Bon, on est en train de faire le test. Du coup, je ne filme qu'avec mon téléphone et l'enregistrement d'écran. Du coup, on voit qu'il est à 3,3 mètres.
On voit une petite flèche qui nous indique de tourner vers la gauche. Là, on voit une petite flèche qui nous demande d'avancer, qui nous dit que le tag est par ici. Et ben, voilà, on a trouvé notre tag. C'est super. Très, très bien. Si jamais ça vous intéresse, j'ai dû faire un vlog qui a dû sortir il y a longtemps sur ma chaîne de divertissement que je vous invite à aller voir, où j'ai dû l'utiliser pour le mettre dans ma valise. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mets juste ici. Écoutez, ce petit tag est plutôt pas mal, je vous ai pas encore donné son prix, il est au prix de 39,90€. J'espère que cette petite vidéo unboxing et test du produit SmartTag Plus de Samsung vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao !